Vous cherchez des cadeaux intelligents, solidaires, utiles pour vos proches, pour vous-même peut-être? Eh bien, grâce à votre soutien, nous avons pu engager pour les éditions Investi Action le jeune David et on a réussi à sortir cet automne quatre livres que je pense importants. D'abord, l'histoire peut-elle mentir? Vous pensez savoir la vérité sur 14-18, Hitler, 40-45, Hiroshima, tout ça, les grands événements du XXe siècle? Eh bien, les mythes de l'histoire moderne de Jacques Poels vous montrera des surprises que les fake news en fait ne datent pas d'hier. Ensuite, quand le dernier arbre aura été abattu de Ludo de Wit, avec un sous-titre significatif, Le capitalisme contre le climat, il applique l'idée d'Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré, et il montre que si on veut sauver la planète, il va falloir s'en prendre vraiment au pouvoir des multinationales, bref, au capitalisme. Ensuite, l'État voyou par un fonctionnaire du département des affaires étrangères des États-Unis, William Bloom, qui montre toute la politique des États-Unis, et pas seulement maintenant avec Trump, à quel point elle a été criminelle, guerre, guerre non déclarée, coup d'État, utilisation du terrorisme, un classique majeur sur la politique réelle des États-Unis. Le quatrième, je ne l'ai pas en main, il est encore chez l'imprimeur. Saïd Bouamama et moi-même, La gauche et la guerre, nous nous sommes penchés sur ce mystère. Pourquoi en 2003, y avait-il des millions de gens dans la rue et toute la gauche radicale, pardon, était contre la guerre? Et là maintenant, la gauche radicale est devenue pour la guerre. Un mystère vraiment à éclairer. Voilà l'histoire, la planète, les maîtres du monde, guerre ou paix, quatre thèmes vraiment majeurs, quatre livres utiles. Vous avez l'embarras du choix, si vous n'arrivez pas à choisir, vous les prenez tous les quatre, vous les distribuez à vos proches. Et en prime, nous vous offrons, USA, les 100 pires citations, les déclarations des présidents, ministres, stratèges des États-Unis eux-mêmes. Comme ça, on ne peut pas être accusé de complotisme. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Bonne lecture.